Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Fadé, j'espère que vous avez bien, je suis on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo sur FIFA, bien évidemment, où nous allons suivre les 10 dernières restantes. Alors nous on attend un transfert, ou deux. Pour l'instant il n'y a toujours rien au bureau. Wesh. Non, toujours pas. Toujours pas. Merde, aucun transfert. Ah, bureau. Offre de transfert pour Lucas. Chelsea. Eh ben écoute, je l'ai mis sur la liste des transferts. On accepte l'offre, il faut dégraisser un peu. On n'a plus qu'à attendre. Allez. J'ai mis Ben Arfa aussi, si vous voulez, si ça vous intéresse, les gars. C'est parti, ça y est. Atem Ben Arfa est convoité. Bah écoute, va à Porto si tu veux. Hein. Moi je te. Hein. Voilà, on va pas faire de chichi. Transfert de Atem Ben Arfa, fin des pourparlers. Ont été abandonnés. C'est donc retiré des négociations. Oh putain. Marco Verti. Alors, je te le dis tout de suite. Désolé. Ah, va te faire foutre. Y a quoi au bureau? Tu me dis que... Voilà, Lucas vendu, ça y est. Lucas, c'est parti. Là, c'est pour dire que le transfert est... La phase de transfert est terminée. Donc c'est fini. La date limite des transferts a expiré. Email des joueurs. N'Golo Kanté, merci boss. Mais de rien mon petit N'Golo. C'est fait exprès. Comment on fait déjà pour les numéros? Modifier joueur. Non, bureau. Non. Bah, je sais plus. C'est con ça. Bon, c'est pas grave. Allez. On est le 3 février. Nous allons faire le match face au fond de poste de sélectionneur de l'Islande. Je rejette. Désolé. Et convoité. Ah oui, encore Dortmund. Ouais. On va dire la même chose que tout à l'heure. Hein. C'est retiré. Oui. Allez. Face aux Dogs. Bah écoute, je suis parti. L'équipe me convient. Non, je suis pas envie de faire des penalties, je suis pas envie de faire l'entraînement, je veux jouer au match, s'il te plaît, merci. Et dans ce match, nous retrouvons Lille face au Paris Saint-Germain. Ouais. Ah, j'ai pas fait gaffe au tifo en fait. C'est pas grave. Le Paris Saint-Germain qui est l'équipe qui a inscrit le plus de buts en championnat cette saison. 69 buts marqués. C'est un élément qui peut avoir son importance dans cette rencontre, évidemment. Les joueurs si je gère, je peux atteindre les 100 buts. Il y a un bug au niveau des mains là. Il
La composition du LOSC, regardez-la. Par la compo un peu. Choisi par l'entraîneur. Il a opté pour un 3-4-3, visiblement. Les deux équipes ont décidé de prendre le match en main et de jouer vers l'avant. Pendant un 3 défenseurs comme ça, ça peut me... œillé. Parle d'un nom, toi. 3 défenseurs comme ça, ça peut me permettre, mais... Je suis méfiant, quand même. Ah, ils sont chauds, les supporters lillois. On est sûr d'une chose, c'est que cette équipe, elle ne va pas laisser une seconde de répit à son adversaire. Hein. Dès qu'elle sera privée de ballon, elle essaiera de le récupérer. Oui, Hervé, il faut pas le reprocher, d'ailleurs. Hein. Ça veut dire qu'elle a envie de se battre et qu'elle ne va pas se laisser faire. Ça peut être intimidant pour l'adversaire aussi. Ouais. Le Paris Saint-Germain, allez, gars, c'est parti. Imposé à domicile lors de son dernier match, c'était face à Dijon. Victoire totale sur le score de 4-1. 4-1, ouais. Confiance et qui devrait encore l'emporter aujourd'hui. C'était Bastien Mitré. Le match qui sera placé sous la direction de monsieur Alexei Potrepkin. Cavani. Quand tu veux, l'arbitre. On est prêt. C'est parti. Le match qui débute avec le coup d'envoi donné par le Paris Saint-Germain. Ça peut être dangereux là. Merde. Déboulé de Daniel Alves. Les Parisiens qui récupèrent. Cazorla. Adrien Rabiot. Oh, ça revient vers Neymar. Et le drapeau qui s'est levé. Putain. Chier. Je m'en doutais qu'il y avait un jeu, mais j'en sais jamais. Oula, ça glisse. La chevauchée de Neymar. Ah! Qui bute finalement sur un joueur adverse. Kanté. Edinson Cavani. Kylian Mbappé. Oh, c'est dangereux. Ah, j'ai tenté le lob. Le Bayern qui a fait une acquisition dernièrement. Quincy Promes, joueur est parti. Ok, c'est bien, on s'en fout. La somme qui a été déboursée dans cette transaction. Je me dis que le foot est quand même en train de devenir un peu ma boule. Adrien Rabiot. Non, alors, parce que j'ai demandé. Est perdu. Marco Berratti. N'Golo Kanté. Rabiot. Marco Berratti. Et 1-0. Marco Verratti. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Magnifico. But pour le Paris Saint-Germain. Numéro 6, Marco Verratti. Sept buts en Ligue 1 Conforama. Allez, 1946, oh putain. Qui est devant au tableau d'affichage. Allez, peut-être une bonne occasion. Vas-y, Alphonse. Ah, putain. N'Golo Kanté. Neymar. Ouais, Neymar, superbe ballon dans l'intervalle, attention. Ah, da 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 da. Touche pour Lille. Ça va être compliqué. Merci. On va intercepter cette passe. Cavani. Oh là là,
Et 2-0 Rabiot. Ah, on est chaud là. Ah putain, à chaque fois, merde. De spontanéité, la frappe était parfaite sur la droite. Adrien Rabiot. La passe est interceptée. La passe levée pour Cavani. Ah dommage. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Tiens, hop, le touche. Le va récupérer la touche. C'est pour Alphonse, nickel. On relance direct. Putain, j'ai loupé vos dribbles. Corner. Oh, magnifique, Alphonse! Qui continue après ce tacle, qui va le prendre. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ouah, c'est mort. Un petit peu trop forte cette passe aérienne. L'action s'arrête là. Allez. Adrien Rabiot. Ah putain. Et là, c'est Benzia. Bon, ça croit que c'est bien donné ça. Le bon ballon. Ah putain. Oh. On ne peut pas dire que ce soit la frappe de la mort qui tue, mais bon, elle a trompé le gardien, c'est ce qu'on va retenir. Ah, c'était impossible de faire la passe là, putain. Appuyé, mais extrêmement bien placé, ça suffit pour battre le gardien. Un deuxième ballon fatal au gardien. Le but a bien fait de poursuivre l'action, de faire pour au bon endroit, au bon moment. Et 2-1 donc maintenant. Merci de Benzia. Un bon ballon d'attaque. Vas-y. Il prend sa chance. Pff, allez. Oui, avec la complicité de la barre transversale. Putain, tu mets 2-0, tu te fais revenir à 2 partout, putain, la haine quoi. Mbappé. Edinson Cavani. Ah, dommage. Vas-y, il y a hors-jeu. Ah, putain, ouais. Exact. Même si c'est difficile de parler comme ça, on voit mal hein, comment les joueurs du PSG pourraient être inquiétés par leur adversaire aujourd'hui. Verratti. Adrien Rabiot. Ah, il a levé son ballon pour Neymar. Ah, dommage. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ma faute. Quoi ? Évidente. Bah, j'ai rien fait. Le tir. Oh, le but. Ils sont pas sérieux là. Le but qui donne l'avantage à cette équipe dans cette rencontre. Et on va guetter la réaction. Je me prends une faute imaginaire, il y a but par derrière. Non, non, oh, l'arbitre là. Pour une fois, c'est un défenseur. Non, je suis là, non, eh. Pas se foutre de la gueule du monde là. En fait, de la capitale menée au tableau d'affichage. Daniel Vess. On a peut-être une bonne occasion. Attention à la frappe. What, dommage. Et c'est l'égalisation qui s'envole. C'est une bonne chose.
vont peut-être avoir d'autres occasions, mais à un moment donné, il va falloir faire preuve un petit peu de... Là, franchement, je l'ai un peu mauvais, là, sur cette action. J'ai pas fait faute, j'ai rien fait. Il laisse l'avantage. Ouais, c'est bien arbitré. Non, elle a été interceptée, cette passe. Ah. Attention, il a du champ devant lui. Là encore, qu'il y ait faute, je veux bien. Mais tout à l'heure, il n'y avait pas faute. Nous aurons rendez-vous aujourd'hui avec la Ligue 1 Conforama pour cette rencontre. Nous suivrons le Paris Saint-Germain qui affrontera l'Olympique Lyonnais à l'extérieur. Un match qui sera, espérons-le, intéressant à suivre. Oh, joli. Oui, c'est le face-à-face avec le gardien. Ah, ça peut amener un but. Oh, c'est un coup passé, mais l'action n'ira pas plus loin. Intercepté. Putain. Ah, la haine. Kylian, putain, t'abuses, quoi. Hop là. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Oh non, le poteau. Le ballon qui a touché le poteau. Putain. Il nous fait sa petite crise là, l'entraîneur du PSG, parce que c'était une belle occasion, c'est sûr, mais ce serait peut-être le... Ça fait deux de suite, quoi. Ces joueurs, ils n'ont pas perdu le match encore. Thiago Maia. Merci. On s'approche du but. Mbappé, Mbappé en bonne position. La passe était dangereuse, mais la défense s'est montrée vigilante. Marco Verratti, elle la voilà la frappe. Ouais, l'attaque va s'arrêter là. Allez, il ne se pose pas de questions. Long dégagement. Ouais, très efficace, hein, ce pressing qui l'oblige à dégager ce ballon. Verratti. Rabiot. Oh, quel arrêt! Et hors jeu, putain, merde! Thiago Maia. Da Silva. Thiago Silva qui s'est vraiment imposé comme l'un des tout meilleurs défenseurs centraux du monde. Il n'y a quand même pas beaucoup de lacunes, hein, c'est un beau joueur. Non, quand il est en forme et qu'il est bien dans sa tête, il est impeccable, il est très appliqué, bien placé, serein, jeu de tête superbe. Puis en attaque, il est capable de marquer. Bah, il s'y fait une faute, tu sais même pas pourquoi. Ouais, l'action pouvait peut-être aller au bout, mais bonne interception. Il s'avance vers la surface. Choisit la frappe. Alors, faut pas passer loin finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème c'est que c'est super mal réalisé. Conte. Verratti. Neymar. Edinson Cavani. Cavani. Oh, allez. Mousse, putain, l'arbitre. Non, non, mais vas-y, mais c'est quoi ce délire là? Verratti. Les 30 derniers mètres. Il avance balle au pied. Kylian. Allez, hop. Le but de l'égalité. Kylian Mbappé. Elle a su réagir. C'était pas évident de courir après le score comme ça, mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire. C'est mérité pour nous quand même, putain. Trois poteaux, l'autre action loupée, puis une faute imaginaire, quoi. Enfin voilà, quoi. Le penalty non sifflé. Ce match, personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. J'ai monté où était le ballon. La touche pour Kurzawa. Neymar. Adrien Rabiot. Verratti.
Marta Silva. Ah putain, Rabiot. On s'approche de la zone de vérité. Attention le tir. Tu peux pas défendre, tu peux pas défendre dans FIFA. L'autre il a déjà fait 500 mètres, j'ai fait à peine 2 mètres quoi. Préserver ce résultat maintenant, ça va pas être facile. C'est toujours extrêmement rageant de marquer contre son camp. Ah mais il faut l'accepter, c'est des choses qui arrivent. Le club de la capitale mené. Ah oui, la bonne passe. Allez, occasion, occasion. Et allez, Neymar. 4-4. Oh, ce match de ouf. Neymar Junior. C'est con ça ce qui t'arrive, Niana. Et tout est à refaire maintenant avec ce but égalisateur. Quatorzième but pour Neymar. Thiago Maia. Al-Ghazi. Merci Mbendia. Attention, il a du champ devant lui. Tacle décisif dans sa propre surface. Corner pour les Lillois. Et on a dégagé pour écarter le danger. Ah. La petite passe en cloche. Merci. Ah, putain. Oh, synchro. C'est exceptionnel qui s'achève. 8 buts, 4 parties. Difficile d'imaginer mieux en termes de suspense et de spectacle. Bon, si vous aimez le foot offensif, ça va, vous avez fait ça. Bon, allez. On se motive là pour la seconde période. On perd pas. Et les Lillois qui donnent le coup d'envoi de la seconde période. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Oh, papa! Daniel Alves. Faute. Une faute sur le joueur. Ouais. Putain, j'étais en train de dire, t'es siffle pas, sérieux. Je te remets, c'est quoi ce délire là? Marquinhos. Marco Verratti. Rabiot. Ah, cette frappe de merde. Oui, d'ailleurs, je crois que tout le monde est en train de l'applaudir. Enfin, pour les supporters adverses, du coup. Non, non, ça ne passe pas. C'est limite, hein. Merci, Mbendia. Ah, un bon ballon d'attaque. Oh, monsieur l'arbitre. Excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. À un moment, faut peut-être siffler quoi. Anthony Rabiot. Putain, je m'en doutais. Avec un tir. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Ouais, bonne anticipation du gardien. La sortie s'imposait, la suite vif. Toujours pas d'avantage à son équipe sur cette action. C'est bien vu de la part du gardien. Putain, ils sont en place les Lillois. Ballon pour Neymar sur l'aile. Allez, il tente sa petite passe aérienne. Dommage, 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 dommage. Elle sort même pas. On va peut-être assister à une contre-attaque. Alors le ballon est perdu. C'est mauvais, N'Golo. Un joueur de l'équipe adverse. Hop, 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 hop. Thiago Maia. L'arbitre qui siffle contre le Lillois. Ah ouais. Il va y avoir un changement. Kurzawa. Marquinhos. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Et le centre pour Neymar. Ah, dommage. C'était pourtant bien donné. Dani Alves. Marco Verratti.
Giroud. Kylian Mbappé. Edinson Cavani. 5-4. Cavani. Qui donne l'avantage à cette équipe dans cette rencontre. Et on va guetter la réaction de l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même. Ah, le buteur, il a laissé aucune chance. Hein, le gardien. Ça se demandait comment il peut se retrouver à cette distance avec le ballon. Quand même une grosse erreur de marquage. Le LOSC qui est en train de perdre ce match pour le moment. Ah, la faute sur Cavani, elle est même pas sifflée, tu sais. Ah ouais, le ballon qui circule bien. Marco Verratti. Sifflé ! Pas du tout ce que j'ai demandé. Paris Balouli. Oh, tu fais une 2, vas-y, tranquille. Les 30 derniers mètres. Merci. De la tête, bien joué. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. On a atteint l'heure de jeu. Kurzawa. Ah, ballon ah dommage. Perdu. L'adversaire s'est interposé. Al-Ghazi. Ah, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Edinson Cavani. Et le but, Neymar. 6-4. De se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Par contre, les remplacements de défense, là, ça commence à devenir un peu casse-couille. Donc moi, je vais m'en occuper. Et Pastore va remplacer Rabiot. Pas ça que je demande. C'est vrai, quand ils demandent des remplaçants, c'est toujours les défenseurs, quoi. 15ème but. Je sais même plus si Cavani a marqué d'ailleurs, je sais plus. Je crois que si. Ah, si, il a marqué, ouais. Le joueur qui aurait bien aimé Javier Pastore. Mais l'entraîneur le fait sortir. Oui, c'est vrai qu'il a été plutôt bon aujourd'hui. On l'a souvent vu dans les bons. Alors, on poste au Rabiot. Là, je pense qu'il va falloir qu'on change les filets avant la fin du match. Hein. Si ça continue comme ça, on va être trop usé. C'est ça. Dani Alves intercepte. Attention, ça peut être dangereux. Kylian Mbappé. Elle est déviée, je crois. Ouais, c'est ça. Oh, quel arrêt! Ouais, la belle parade. La belle parade, il éloigne le danger avec un incroyable arrêt réflexe. Ouais, l'adversaire était à bout portant, mais c'est lui qui a eu le dernier mot. Bravo. Allez! Thiago Maia. Il s'avance vers la surface. Allez Marquinhos. Centre à destination de ses partenaires. Au-dessus. Oh, là, cette tête. Qu'est-ce que c'est mal exploité. Ouais, la trajectoire est mal jugée, le ballon est mal pris, ça lui échappe. Tout est foiré. N'Golo Kanté. Cavani. Peut-être une. Oh là là, attention, il y a. Oh, oh cette boulet. Ah, je la sentais, je dis c'est là, faut que je l'essaye. Triplé, en effet. Il va peut-être pas s'arrêter. Bim. Il semble prendre un avantage quasi décisif. On va peut-être faire un deuxième remplacement. Neymar, fatigué. Di Maria. Ah, je fais le con. Un bon ballon d'attaque. Il avance balle au pied. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Allez, le centre, mais contré. C'est con, hein. Neymar, allez, Neymar.
Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi. Il a été excellent. Hein. Limite, on n'a pas envie de le voir sortir maintenant. Il a mis 3 buts, son équipe mène au score. Ah, ça, il peut avoir le sourire. Hein. C'est ce que c'est le turnover un peu, mon gars. Parce que... Hop, 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 hop. Yes. Mbappé. Ah, elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut être un but. Il tacle. Ah, faute. Un des clairs buts. Quoi? Coup franc. Il n'y a pas faute. L'entraîneur qui va... Putain, j'y crois pas. Quoi. Raja Pastore, Edinson Cavani. Edinson Cavani, dont on apprécie généralement Cavani, l'occasion. Bon, là, 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 là. Il a failli la mettre au fond alors qu'il se trouvait dans un angle impossible. Il n'a pas choisi la facilité, mais bon, il a tenté, et comme ça passe pas loin, ça peut l'inciter à recommencer. N'Golo Kanté. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Et dommage. Comment vont-ils le jouer, ce corner? Le corner de Di Maria dans la surface. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Dommage. Il a été intercepté cette passe. Marco Verratti. Et le tir d'Edinson. Dommage. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Alors c'est un adversaire qui récupère cette passe. Et le couloir est désert, le PSG va pouvoir en profiter. Le ballon dans l'axe, attention. Verratti. Ouais, c'est mortel, hein. Ces frappes à terre qui sont presque plus imparables que les frappes à Lucas. Tirable pourtant sur lequel le gardien ne peut évidemment rien. Chou là. Ça fait deux pour lui. Un doublé pour ce joueur. On va juste regarder au niveau. Allez. Par contre Verratti, putain, il est HS là. Alors ce qu'on va faire. Voilà. Allez, repose-toi. Marco. Il y a chaise là. Elle cède donc sa place après une très belle prestation. Allez, Thiago. Si d'ailleurs ses supporters au moment de quitter le terrain, c'est bien ce qu'il a fait dans ce match. Ben, clairement, ce match tourne à leur avantage. Comme on pouvait s'y attendre, Pierre le favori n'a pas déçu. Oui, j'étais attendu pour ce match. Le score est tout à fait logique. Dani Alves. N'Golo Kanté. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. La tête est propre, le ballon toujours en jeu. Oh là 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 là! Non, c'était pas pour lui! Putain! C'était pas Mbappé! La touche sera parisienne. Faut que je me démerde, c'est ça? Pastore, il cherchait Cavani. Ouais, il sort même pas! Touche! Oh putain! Thiago Maia. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Cavani, Kylian Mbappé. Oh, l'arrêt du gardien magnifique. Ah, c'est incroyable, Hervé. C'est putain, double arrêt. Et on arrive dans les 8 dernières minutes. Victor réglementaire. Et Maria. Et Maria, pas merde. Mal le centre. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Thiago Maia. Les 30 derniers mètres. Dani Alves, les supporters qui font profil bas aujourd'hui. Ouais, c'est le cas de dire. Pas trop la fête dans les tribunes, le noir. Ah, la passe en profondeur, attention. Ah, le défenseur intervient au dernier moment. C'était pas évident. L'hôpital. Mbappé. Le centre à destination de ses partenaires. Ah, c'était dangereux. Mais la défense, c'est... Oh, quelle frappe. Oh, Kurzawa. Oh, ce but.
but. Ça, c'est de la frappe. Tu m'étonnes, gros. D'au moins 22,9 mètres, quand même. Presque 23 mètres. Bim. Pow. Entre le but d'Enamar et celui de Kurzawa. Petit bijou. Viens, on en met un dixième. Faut. C'est vrai. Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Balouli. Je l'ai fait trop tard. Dani Alves. Thiago Motta. Motta. Edinson Cavani. Kylian Mbappé. Un duel pour la récupération du ballon. Voilà. Allez, la l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Vas-y. Alors que le temps additionnel est indiqué, ce sera 4 minutes. Thiago Maia. Le dégagement pour éloigner le danger. Javier Pastore. Et Maria. Un bon ballon d'attaque. Daniel Alves. Cavani. Ah, dommage. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Le centre vers ses coéquipiers. La relance pas terrible. Ouais, c'est pas beau ça. Oh, j'ai un blessé. Allez, fin du match. On n'aura pas mis le dixième. Vous tirez quelle conclusion de la partie et de la prestation de Neymar? 3 tirs, 3 buts. Eh, pas beau ça. Un triplé avec la victoire au bout. C'est difficile de faire mieux. Le score est sans appel. On a assisté à un match vraiment à sens unique. Quel match, tu m'étonnes. On peut même saluer le professionnalisme d'une équipe qui a joué tout le match à fond pour marquer un maximum de buts. Ouais, donc voilà, belle victoire, 9-4. J'ai défoncé leur défense. Donc, samedi 3 février. Ah, j'ai joué le vendredi, oh su putain. Marseille-Metz, oh putain, oui, effectivement, il y a des résultats là. Off pour le poste de sectionnaire, on s'en fout. Ah, c'est que j'ai peut-être pas confirmé, voilà. Alors, on va juste faire un petit truc avant le match de mercredi. Conférence de presse. Paris, on va complimenter parce que c'est franchement belle victoire. Alors on va juste avancer deux petites minutes. Voilà. Qu'on regarde un peu ce classement. Donc on a 11 points d'avance sur Nantes, qui est deuxième, troisième Monaco. Bordeaux 4e, Nice 5e, on arrive à Marseille et Saint-Etienne 6e et 7e, Lyon 8e qui ont vraiment du mal. Hein. Lille, par contre j'ai mis combien? 78 buts, 7-8 gros. 78 buts marqués, 34 encaissés. Différence de buts plus 44. Je vais atteindre la barre des 100 buts, ça continue. Et dans la zone rouge, nous avons toujours Angers, Metz et Strasbourg. Montpellier 16e, putain c'est mauvais pour eux ça. Donc voilà, donc les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve mercredi pour le match face à Lyon. En attendant, restez chaud patate. Bye bye. C'est pas lui, ici c'est pas lui, pas lui et machine.
de machine.